Louons et remercions notre Dieu pour sa grâce qu'il nous accorde à nouveau chaque jour. Nous ne nous réunissons pas ici par habitude. Nous le répétons sans cesse, mais il y a quelque chose en nous qui nous pousse à nous présenter devant lui à demeurer ensemble avec lui et même à être béni par lui. Et c'est pour cela que nous sommes si reconnaissants à notre Seigneur. Je, suis, je lui suis toujours reconnaissant de me permettre de venir, de pouvoir et de savoir m'approcher de lui. Non seulement il me le permet, mais il me donne l'occasion de me présenter devant lui tel que je suis. Et nous savons que le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu miséricordieux et compatissant. Un Dieu qui nous conduit et nous guide dans toute la vérité. Peut-être que cela ne semble pas être le cas pour l'homme, l'un ou l'autre, mais nous savons que le Seigneur est... Est un dieu fidèle et qu'il s'en tient à ce qu'il a dit dans sa parole. Il est fidèle à ceux qui s'attachent à lui et le suivent. Que Dieu nous fasse donc la grâce de nous a, de nous efforcer, comme nous l'avons entendu hier, de le suivre, de le suivre grâce à sa puissance et à la résurrection. Je voudrais. Peut-être lire le chapitre 23 de, Jos de Josué. Il est écrit ici Josué chapitre 23 verset 1. Quelques temps plus tard, après que le Seigneur eût procuré aux Israélites du repos contre tous leurs ennemis d'alentour et que Josué fut devenu vieux et avancé en âge, verset 2, Jésus convoqua tout Israël, les anciens et les chefs du peuple, ses juges et ses officiers, et leur dit :« Je suis maintenant vieux et avancé en âge. Verset trois. Mais vous avez vu tout ce que le Seigneur, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous. » Car c'est le Seigneur votre Dieu qui a combattu pour vous. Verset 4. Sachez que j'ai donné un héritage à vos différentes tribus par le sort ces nations qui sont restées exactement comme toutes les nations que j'ai que j'ai exterminé depuis le Jourdain jusqu'à la grande mer du couchant. Verset 5: Et le Seigneur votre Dieu les chassera devant vous, et les chassera de devant vous et vous prendrez possession de leur pays, comme le Seigneur votre Dieu vous l'a promis. Verset 6: Tenez donc fermement à observer et à suivre tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en écarter ni à droite ni à gauche. Afin, verset 7, de ne pas vous mêler à ces nations qui subsistent parmi vous, de ne pas invoquer le nom de leur Dieu, de ne pas jurer par eux de ne pas les servir et de ne pas vous prosterner devant eux. Verset 8. Mais vous garderez le Seigneur, votre Dieu. Vous resterez attachés au Seigneur, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Verset 9. Le Seigneur a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne n'a pu tenir devant vous jusqu'à ce jour. Verset 10. Un seul de vos hommes en même mille en fuite, car c'est le Seigneur, votre Dieu, qui combat pour vous comme il vous l'a promis. Verset 11. Ayez donc soin, au nom de votre vie, d'aimer le Seigneur, votre Dieu. Verset 12. Car si vous vous détournez de lui, d'une manière ou d'une autre, et que vous vous joignez au reste de ces nations qui subsistent parmi vous et que vous contractez des mariages avec elles. Vous vous mêlerez à elles et elles se mêleront à vous. Verset 13. Sachez qu'alors le Seigneur votre Dieu ne chassera plus ces nations devant vous. Mais elles deviendront pour vous un piège et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous soyez exterminés de ce beau pays que le Seigneur, votre Dieu, vous a donné. Verset 14, voici, je passe maintenant par le chemin de tout. Toutes les choses terrestres. Considérez donc de tout votre cœur et de toute votre âme que de toutes les promesses de bénédiction que le Seigneur votre Dieu a faites à votre sujet, pas une seule n'est restée sans accomplissement. Non, toutes sont arrivées chez vous, pas une, pas une seule n'est restée sans accomplissement. Verset 15. Mais comme toutes les promesses de bénédiction que le Seigneur, votre Dieu, vous a données se sont réalisées chez vous, de même le Seigneur fera que toutes les menaces contre vous s'accomplissent jusqu'à ce qu'il vous ait exterminé de ce beau pays que vous avez reçu du Seigneur, votre Dieu. Verset 16. Si vous transgressez l'alliance à laquelle le Seigneur, votre Dieu, vous a engagé, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, la colère du Seigneur s'enflammera contre vous et vous disparaîtrez rapidement de ce beau pays qu'il vous a donné. Jusqu'ici cette parole précieuse et chère. Nous savons et connaissons en effet la parole de Dieu qui nous a été transmise et les promesses qui ont été transmises au peuple d'Israël. Le peuple élu et choisi pour sa propriété, comme nous venons de l'entendre et de le lire, le Seigneur a fait comme condition de le servir, de le suivre de l'adorer lui et lui seul et de lui apporter tout ce qui était en eux. Il a fait pour eux une nécessité de le faire. Et ce n'est pas seulement pour eux, mais aussi pour nous, comme nous l'avons entendu hier, que l'apôtre Paul, ou plutôt l'Esprit de Dieu, a écrit ou fait écrire par l'apôtre Paul que nous devions nous en tenir à cela au sein aux saintes écritures aux, aux saines doctrines à ce que Dieu nous a donné et que Dieu a mis à notre disposition que Dieu nous aide nous avons entendu et lu ici de quelle manière l'esprit de Dieu s'est efforcé d'avertir son peuple de lui indiquer de quelle manière il devait le servir pour observer et accomplir la loi de Moïse. C'est Dieu le Seigneur qui a tenu à faire preuve de miséricorde envers son peuple et lui montrer sa grâce et les promesses qu'il a faites. Et si nous voulons en tirer des leçons, nous devrions, toi et moi, chacun de nous, nous efforcer de regarder. Aux promesses. Oui, les tenir fermement, les promesses qui nous ont été faites, que le Seigneur a prononcées il y a longtemps pour l par l'intermédiaire de ses serviteurs et des prophètes. Nous avons entendu ici qu'ils ne devaient pas se mélanger, qu'ils devaient rester éloignés de tout cela, qu'ils ne devaient rien faire de tel qui puisse causer le déplaisir de son nom. Et il en va de même à notre époque et en particulier à celle dans laquelle nous vivons. Frère Franck a déjà évoqué hier la manière dont notre salut, si je puis m'exprimer ainsi, qui nous a été accordé par Jésus-Christ, notre Seigneur, est foulé aux pieds le salut que nos pères ont dû payer de leur sang, conquérir et témoigner qu'il n'y a qu'un seul salut et que ce salut est en Jésus-Christ, qu'il n'y a qu'une seule rédemption en celui qui a fait la promesse comme il est. Comme ces choses sont piétinées de manière dédaigneuse, voire répréhensible, ce précieux évangile dans le seul but d'obtenir une unité aux yeux des hommes. Mais il n'en a pas été ainsi avec Dieu. Nous, nous avons entendu ici comment il les a avertis. Verset 12, Josué 23, Car si vous vous détournez de lui d'une manière ou d'une autre et que vous vous joignez au reste de ces nations qui subsistent chez vous et que vous contractez des mariages avec elles de sorte que vous vous mêlez à elles et elles à vous. Verset 13, sachez bien qu'alors le Seigneur votre Dieu ne chassera plus ces nations devant vous, mais elles deviendront pour vous un piège, un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous soyez exterminés de ce beau pays que le Seigneur votre Dieu vous a donné. Et si cette parole ou cet avertissement et cette mise en garde a été adressée à ceux qui nous ont précédés il y a longtemps. Et si cette parole a été écrite pour nous comme un avertissement par lequel nous appre nous, nous apprenons à ne pas nous mélanger à ne pas faire alliance avec ceux qui sont contre la parole et la vérité. Si nous regardons en arrière, et il m'est peut-être permis de dire, comme Frère Branham l'a dit, que l'ange de l'Église, Martin Luther, avait été ferme en, en tout et que... Dieu l'avait affirmé dans le message de salut, dans la justification. Combien plus devrions-nous, nous qui sommes tellement plus proches du jour et de l'heure où le Seigneur apparaîtra, nous tenir fermement à ce qui nous a été donné par la révélation de son esprit, par la révélation qui nous a été apportée par la parole. Oui, que son nom nous a été révélé, que nous savons qui il est et ce qu'il a fait pour nous. Que Dieu nous aide et nous fasse la grâce de nous exclamer et de dire avec cet homme, comme il le dit ici au chapitre 24 du verset. 14 de Josué. Craignez donc le Seigneur et servez-le avec sincérité et fidélité. Abandonnez les dieux que vos pères ont servis de l'autre côté du fleuve Euphrate et en Égypte et servez le Seigneur. Verset 15. Mais si vous ne voulez pas vous résoudre à servir le Seigneur, décidez aujourd'hui qui vous voulez servir. Si ce sont les dieux que vos pères ont servis de l'autre côté du feu Euphrate ou les dieux des Amoriens dans le pays desquels vous habitez, quant à moi et à ma maison, nous servirons le Seigneur. N'est-ce pas là? Ta résolution est la mienne. N'avons-nous pas enfermé dans nos cœurs de nous détacher de tout ce qui veut nous éloigner et nous tient éloignés du Seigneur et de le servir seul, lui, avec notre maison et cela avec tout ce qui est en nous puisse le seigneur nous aider à exalter son nom amen louange et merci au seigneur dans les dernières minutes alors que frère Schmidt parlait encore une pensée très particulière m'a frappé et j'ai dû faire une comparaison et je voudrais vous la donner ici aujourd'hui. Je crois qu'aucun Billy Graham, aucun Oral Robert, aucun homme de renommée mondiale ne pourrait donner un serment aussi profond. Un sermon aussi éloquent que celui que nous donnent nos frères ici, en toute simplicité. Comprenez-vous ce que je dis À quoi servent les grands noms Qui peut nous aider qui peut nous apporter quelque chose, à moins qu'il ne l'ait reçu de Dieu? Et ici, il y a des frères qui, en toute simplicité, que ce soit un frère Frank, un frère Schmitt, un frère Rousse, qui que nous soyons, en toute simplicité, nous apportons des paroles de Dieu qu'aucun de tous ces hommes célèbres et respectés ne peut apporter. Et nous devrions apprendre à apprécier cela, à estimer cela. Qui est donc respecté par Dieu, vu par Dieu Lui qui l'a destiné à contempler sa gloire. Celui qui l'a destiné à contempler sa gloire. Si nous faisons les comparaisons qui viennent de nous être présentées, qui ne fait pas la cour aujourd'hui que ce soit au Conseil mondial des églises, ou, ou bien alors avec Rome, ou bien alors avec le Conseil mondial des églises, qui ne boit pas à la coupe dont le monde entier a bu. Et comme le dit le prophète Jérémie au chapitre 51, ils ont perdu la raison parce qu'ils ont bu à la coupe de Babylone. Jérémie 51. 7. Quelle grâce de pouvoir entendre en toute simplicité la parole puissante de Dieu. Cette parole qui nous a ouvert les yeux, qui nous a donné la clarté. Nous ne nous, nous plaçons certainement pas au-dessus des autres, mais cela m'humilie dans la poussière. Lorsque je réfléchis à la grâce que Dieu nous a accordée, je voudrais vous demander à tous, et cela du fond du cœur, d'estimer et de respecter nos frères qui apportent la parole du Seigneur en toute fidélité. fidélité, pardon, fidélité car c'est par elle que nous nous édifions, que nous sommes fortifiés spirituellement et que nous pouvons ensuite aller de l'avant. Chaque parole de Dieu ou que nous l'ouvrions a tant de choses à dire. Et même lorsque cela a été lu dans Josué, le Seigneur a fixé des limites à ne pas dépasser si nous ne voulons pas tomber en disgrâce auprès de lui et comparez donc ce qui a été lu ici dans le chapitre 23 avec Genèse 6. Dieu a fait venir le déluge de, de péché. J'ai fait exprès de ne pas dire le déluge d'eau, mais le déluge de péché. C'est à dessein que j'ai que dit déluge. Non pas déluge tout court, mais... Déluge de péché. Dieu a, fait, Dieu a fait venir ce déluge. Oui, pourquoi donc Parce que les deux lignées se sont mélangées. Ceux de la descendance, voyez, les, les fils de Dieu, les porteurs du salut, la lignée d'où d'où devait sortir le Messie, selon la chair, se, se mêla là à la lignée de Caïn. Alors Dieu le Seigneur a dit, la fin de toutes choses est venue devant moi. Et je regrette d'avoir créé l'homme. Nous avons ici un deuxième avertissement. Dieu dit à son peuple qu'il a appelé à sortir. Ne vous mélangez pas. Ne mariez pas les gens de ce pays. Mais restez ce que vous êtes. Car je vous ai destiné. À faire avec vous l'histoire du salut. Le même Dieu qui a fait dire par Moïse ce qui lui a été dit et qui nous a transmis Tu ne tueras pas. Le même Dieu a dit Fais-les tous mourir. Et comme nous l'avons lu avec eux depuis le Jourdain jusqu'à la mer occidentale qui est là. Méditerranée, tout a été rasé. Qui peut le comprendre? Si un incroyant lit la Bible, il devient plus confus qu'il l'est déjà, qu'il ne l'est, qu'il ne l'est déjà, pardon. Mais un croyant, lui, comprend de quoi il s'agit. Dieu a des hommes qui sont sa semence. Et il y en a d'autres qui ne sont pas sa semence. Et cela aussi, nous l'avons compris très clairement dans les saintes écritures, deux semences différentes. Et c'est ainsi que lorsque nous lisons les Saintes Écritures, et ce vraiment n'importe où, partout, les liens avec d'autres passages bibliques s'ouvrent à nous, les rapports de l'ensemble du conseil, les contextes. Les contextes de l'ensemble du conseil du salut de Dieu nous apparaissent et nous deviennent de plus en plus précieux. Et nous reconnaissons même le temps et l'heure dans lesquels nous vivons. Nous ne voulons pas nous attarder sur ce que j'ai brièvement effleuré hier soir, mais celui qui est un peu versé dans l'histoire de l'Église voit que l'anneau se referme lentement que toutes choses arrivent à leur fin. Et si l'on regarde les conciles du passé, en particulier celui de, de Nice, comment les hommes politiques et les, or, et, et les religieux se sont retrouvés sur la même plateforme, nous l'avons particulièrement vu ces derniers jours. Les ministres ont la priorité, les politiciens balancent leurs discours. Tout est, un, tout est uni, l'État et la communauté religieuse partout. Ils font de la politique, mais pour nous, qui connaissons la parole de Dieu, qui savons de quoi il s'agit maintenant, et qui avons compris que Dieu a lancé un appel. Vous, mon peuple, sortez, séparez-vous et ne touchez à rien. D'impur, 2 Corinthiens 6, 17. Juste en passant, quand le Conseil mondial des communautés religieuses a été créé en 1948 à Amsterdam, il y avait une poignée d'assemblées de, de, de communautés religieuses. Et aujourd'hui, il y en a bien 300 qui en font partie. En peu de temps, tout a été englouti. Mais il y a une foule qui ne, pas, qui ne fléchira pas le genou devant Baal. Loué soit le nom du Seigneur. Nous nous inclinons devant Dieu. Même si nous devions presque perdre la vie, nous ne craignons pas ceux qui peuvent tuer le corps. Mais nous craignons celui qui livrera les âmes de ceux qui ne l'ont pas écouté. Remercie soit Dieu pour chaque homme qui, en ces jours, entend la véritable parole de Dieu, qui la prend au sérieux et qui a compris la grande et profonde signification du dernier appel, qui ne se contente pas d'en parler et de faire peut-être un peu de politique dans les maisons, avec ces choses, mais qui est lui-même imprégné de la parole de Dieu et peut devenir un avec cette parole et ainsi être lié à Dieu et un jour subsister devant lui. Ces hommes que Dieu a fait sortir étaient destinés à rester un peuple séparés. Et vous savez ce qui s'est passé plus tard, plus tôt, et même plus tard, pas seulement dans Genèse 6, mais aussi lorsque Biliam, ce faux prophète, on ne peut guère le qualifier autrement, est apparu. Il a simplement dit, nous servons tous le même Dieu. Vous pouvez prendre nos filles et nous, vos fils, et ainsi de suite. Et qu'avons-nous entendu Dieu n'a pas pardonné ce péché au peuple d'Israël. Et 23 000 sont morts en un jour dans le désert. Pourquoi Parce qu'ils avaient transgressé le commandement et la parole explicite de Dieu. Si tous les autres peuples font ce qu'ils veulent, Dieu s'en soucie très peu, très peu. Mais son peuple doit obéir à ses instructions et à ses ordres. Et c'est là que les choses commencent à devenir très sérieuses. Dieu n'avait rien contre les mariages, mais il avait quelque chose contre. L'union entre les croyants et les non-croyants, entre ceux qu'il a appelé et ceux qui n'a pas appelé. Et une pensée humaine peut se demander oui, qu'y a-t-il de différent chez les croyants dans, le, dans leur corps ou ailleurs Ne vous posez pas de telles questions, mais croyez à Dieu. Il pense ce qu'il dit et il dit ce qu'il pense. Et nous devons respecter cette décision. Ce qui m'a encore beaucoup ému et touché, c'est cette profonde liaison de ces hommes de Dieu qui étaient destinés en leur temps à diriger son peuple et cela de la part de Dieu et à lui transmettre des directives contraignantes, que ce soit Moïse ou où Josué, ici c'est bien Josué qui parle, et il dit au verset 14, Josué 23, voici que je m'engage dans la voie des choses terrestres. Considérez donc de tout votre cœur et de toute votre âme. Oh, quelle profonde intimité, quelle profonde liaison se dégage de ces paroles. Verset 14, il dit, considérez de tout votre cœur. Elles sont toutes arrivées chez vous. Aucune d'entre elles. N'est restée sans être accomplie. Où sont-elles arrivées? Chez vous. C'est sur ce point que l'accent est mis. Les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas n'importe où. Elles s'accomplissent chez eux, ceux et parmi ceux que Dieu a destinés à écouter. Maintenant sa parole a marché dans ses voies et à croire en lui. D'où l'accent mis dans ce contexte-là. Elles se sont accomplies chez vous. Chez vous. Non pas chez les Égyptiens ou les Amorites et les Jébusiens, mais chez vous. Parmi son peuple. Parmi les hommes qu'il a désignés pour faire l'histoire du salut par eux et parmi eux. Ensuite vient bien sûr l'avertissement, comme auparavant, déjà par Moïse sans doute dans Deutéronome 4, mais ici au verset 15, Genèse, pardon, Josué Josué 23, verset 15, mais comme toutes les promesses de bénédiction que le Seigneur votre Dieu vous a fait se sont réalisés chez vous. De même, le Seigneur fera s'accomplir chez vous toutes les menaces, jusqu'à ce qu'il vous ait exterminé de ce beau pays que vous avez reçu du de, de Seigneur votre Dieu. C'est le triste côté de cette histoire. Tant que le peuple de Dieu marchait dans les dans les chemins de Dieu, dans les limites de la parole de Dieu, tout allait bien. Les promesses de bénédiction s'accomplissaient et au moment où ils franchissaient la parole, ils sortaient de la parole, ils franchissaient le périmètre, cette ligne, et déjà ils étaient abandonnés et chassés, ils étaient exterminés et exposés à la persécution. Tout ce que Dieu dit s'accomplit, arrive. Que cela ait été dit de telle ou telle manière, ou que cela concerne tel ou tel domaine, tout s'accomplit. Ici, au chapitre 24, il est question du verset 19. Maintenant, Josué 24, 19. Josué dit au peuple, vous ne pourrez pas servir le Seigneur. Car c'est un Dieu saint. C'est un Dieu jaloux qui ne vous pardonnera pas vos transgressions et vos péchés. Dieu l'a vu et Josué en tant qu'homme de Dieu. A eu la révélation par l'esprit que le peuple d'Israël allait choisir sa propre voie. C'est avec une profonde émotion qu'il a exprimé et dit ces choses. Verset 19 Vous n'êtes pas capable de servir le Seigneur, car il est un Dieu saint. C'est un Dieu jaloux qui ne vous pardonnera pas vos transgressions et vos péchés. Verset 20. Si vous abandonnez le Seigneur et servez des dieux étrangers et se détournera de vous, vous fera du mal et vous détruira après vous avoir fait du bien. Bien-aimés, ce sont les descriptions des voies de Dieu avec son peuple. Elles traversent des hauteurs et des profondeurs. Lorsque nous lisons l'histoire des rois d'Israël, l'un faisait ce qui plaisait à Dieu, l'autre ce qui ne plaisait pas à Dieu. C'était toujours des hauts et des bas. Regardons. L'Église du Nouveau Testament et son évolution, comment l'histoire des communautés religieuses a été mouvementée, un flux et un reflux. Aujourd'hui, c'est notre tour. Aujourd'hui, nous devons nous regarder dans le miroir. Il ne nous sert à rien de regarder uniquement les histoires du passé et leur déroulement. Aujourd'hui, c'est notre tour et nous devons nous demander, oh Dieu, où en suis-je? Où est-ce que je me tiens? Dans quel état suis-je? Où en sommes-nous? Peux-tu faire en sorte que tes promesses de bénédiction se réalisent dans notre vie au milieu de nous? Où avons-nous échoué? Où avons-nous dévié? Ta colère est-elle contre nous ou ta grâce? Que fais-tu au milieu de nous? C'est la question que nous devons tous nous poser, non pas dans l'incrédulité, mais avec la sincérité et la véracité du cœur. Que nous devons tous nous poser. Je crois que nous sommes ici pour cela. Celui Et alors que le frère Schmidt disait que c'est un privilège pour lui de venir ici, non pas euh, par habitude, mais parce que nous y sommes poussés intérieurement. Parfois, il peut sembler que les heures auxquelles nous apparaissons ici sont fixées. Mais grâce à Dieu, nous avons encore la possibilité de le faire. Mais nous ne venons pas parce que des, parce que des heures ou des jours ont été fixés. Nous venons. Parce que nous sommes poussés intérieurement à apparaître en présence du Seigneur. Mais ce sont là des paroles et des pensées si sérieuses que nous devons y réfléchir et qui nous touchent tous au cœur. Il est dit ici au verset 21 Le peuple déclara à Josué Non. C'est le Seigneur que nous servirons. Alors Josué dit au peuple, verset 22. Josué dit alors au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que vous avez choisi le Seigneur pour le servir. Ils répondirent, oui, nous sommes témoins. Maintenant voici le marteau. Verset 23. Faites donc disparaître les dieux étrangers. Les, deux, les dieux étrangers qui sont encore au milieu de vous et inclinez votre cœur vers le Seigneur, le Dieu d'Israël. Verset 24, le peuple déclara alors à Josué, c'est le Seigneur, notre Dieu, que nous servirons et nous obéirons à ses instructions. Nous remarquons que cette déclaration cinglante, vous ne pouvez pas servir le Seigneur. Car c'est un Dieu saint, un Dieu jaloux, leur est allé droit au cœur. Ils ont pris l'avertissement au sérieux et ont fait preuve de bonne volonté pour servir le Seigneur malgré tout. Bien-aimés, si nous nous considérons aujourd'hui ou si nous l'appliquons à nous-mêmes, cela nous frappe tout autant que si nous avions reçu un coup dans le ciel, un coup du ciel. Vous ne pouvez pas servir Dieu. Oui, avec la bouche, il y en a suffisamment qui le font. Le Seigneur le dit dans Marc 7, 7, verset 6, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Mais il s'agit ici de servir, de suivre le Seigneur avec obéissance de faire ce qu'il a dit. Et puis nous aussi, nous devons prendre à cœur et admettre que nous ne sommes pas capables par nous-mêmes de servir Dieu comme il se doit et d'obéir à tout ce qu'il exige de nous. Mais nous aimerions être de ceux qui, ici, le peuple, comme ici, ce peuple qui ont déclaré à, à Josué, c'est le, le Seigneur que nous servirons. Alors Josué dit au, au peuple, vous êtes témoin contre vous-même. Vous avez déclaré, vous l'avez vous prononcé, que vous choisissez le Seigneur. Cette expression, que vous avez choisi le Seigneur pour le servir. Seul celui qu'il a élu, qu'il a choisi, peut le choisir et le servir. Et nous croyons qu'en tant qu'homme indigne, misérable et faible, il nous a choisis, nous le Dieu fort, juste et éternel. Et cela avant même la fondation du monde, pour le servir et le suivre, quoi qu'il arrive. Et il nous donnera la force et la persévérance jusqu'à la fin pour que nous puissions subsister devant lui. Verset 23, faites donc disparaître les dieux étrangers. Il n'y a qu'un seul Dieu. Écoute Israël. Le Seigneur, ton Dieu, est Dieu seul. Ainsi donc, c'est lui que tu serviras de tout ton cœur, ton âme, et de toute ta force. Deuteronome 6, 4, verset 23. Dans Josué encore, faites donc disparaître Josué 24, 23. Les dieux étrangers qui sont encore au milieu de vous et inclinez votre cœur vers le Seigneur, le Dieu d'Israël. Verset 24. Alors le peuple déclara alors à Josué c'est le Seigneur, notre Dieu, que nous servirons. Et nous obéirons à ses ordres, n'est-ce pas Merveilleux. Est-ce là ta déclaration de ce matin Est-ce la mienne C'est le Seigneur, notre Dieu, que nous servirons, et c'est à ses instructions que nous obéirons. Dans le psaume 75, dans le psaume 75, un seul verset m'a particulièrement frappé celui d'où vient notre secours car ce n'est ni du lever du soleil ni de son coucher ni du désert que vient l'exaucement. Psaume 75, verset 7. Il y en est ainsi, non pas du lever du soleil ni de son coucher, mais du Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a fixé le soleil pour qu'il brille le jour et la lune et les étoiles pour qu'elles brillent la nuit. Du Dieu qui a tout créé. Et tandis que nous regardons vers le haut, non pas pour voir le soleil, la lune ou les étoiles, ce qui est. Un beau spectacle, mais nous regardons au-delà de tout cela en esprit vers le Dieu Tout-Puissant qui siège sur le trône, qui a créé toutes choses et dont il est écrit Toi qui exauces les prières, toute chair vient à toi. Psaume 65, 3. Il est également question des, des promesses dans le psaume 77, verset 9. Psaume 77, verset 9. Sa bonté est-elle épuisée à jamais Ses promesses sont-elles abolies pour l'avenir Verset 10. Dieu a-t-il oublié d'être miséricordieux Ou dans sa colère a-t-il fermé sa miséricorde Verset 11, alors je me suis dit, cela m'attriste douloureusement de voir que l'action du Très-Haut a changé. Nous ne voulons même pas nous étendre sur ce sujet. L'action du Très-Haut n'a pas changé du tout. Il n'a fait qu'accomplir ce qu'il avait dit. Si vous marchez dans mes voies et faites ce que je vous ai dit, toutes mes instructions de bénédiction. Toutes mes promesses de bénédiction s'accompliront dans vous, donc au milieu de vous, chez vous. Mais si vous vous détournez et servez d'autres dieux, alors toutes les autres choses viendront sur vous. Nous n'avons pas besoin de nous étonner, ni d'en attribuer la responsabilité à Dieu. Nous devons nous examiner nous-mêmes. Si quelque chose a changé, ce n'est pas que Dieu puisse changer il ne change pas, et sa parole non plus. Il ne peut alors plus faire, c'est seulement parce qu'il ne peut plus faire ce qu'il aimerait tant faire, c'est-à-dire accomplir dans nos vies toutes les promesses de bénédiction. Je crois que c'est là que nous en arrivons à penser à toutes les promesses que le Seigneur a faites à l'Église du Nouveau Testament. Nous nous demandons, ô oh Dieu, pourquoi ne peux-tu plus accomplir toutes ces promesses de bénédiction comme tu l'as fait au commencement et comme tu l'as fait à l'époque de la visitation divine spéciale. Et puis nous recevons peut-être la réponse. Revenez d'abord à moi, vous mon peuple. Mettez-vous en conformité avec mes paroles et obéissez à ce que je vous ai dit. Alors, je me manifesterai à nouveau au milieu de vous et j'accomplirai toutes mes promesses de bénédiction. Dieu est véritable. En lui, nous ne devons et ne pouvons jamais chercher la faute car nous ne la trouverons jamais là. Elle ne sera recherchée et trouvée qu'en moi, en toi, en nous. Mais nous avons la bonne assurance que Dieu nous a destinés, choisis, élus et appelés à cela à la fin des jours, traverser, c'est vrai, toutes les épreuves, jusqu'à ce que nous voyons les promesses de bénédiction de Dieu dans toute leur plénitude, dans la restitution, dans la restauration, le rétablissement total de toutes les choses qui ont été dérobées à l'Église, et que nos cœurs puissent être joyeux et reconnaissants. Un homme qui n'a jamais souffert de la faim, qui n'a jamais connu la soif, qui n'a pas vécu de mauvais moments, que sait-il de la différence Que il de la différence Quand nous parlons aujourd'hui avec les, avec la jeune génération des temps qui étaient mauvais, des temps de de privation, des temps où l'on ne savait pas ce qu'il y avait sur la table à manger. Oui, on savait déjà parce qu'il n'y avait rien là-dessus sur la table, des assiettes vides peut-être. Et puis, il y avait la soupe. Mais je ne veux dire qu'une chose. Nous, qui, qui traversons une mauvaise période, nous pourrons un jour apprécier si les choses ont changé. Et nous percevrons la différence. Il y en a d'autres qui se trompent eux-mêmes, qui font comme ça ou qui font semblant de puiser dans, le, dans leurs ressources. Soyons honnêtes et sincères. Et présentons-nous devant la face de Dieu en disant Seigneur, nous aussi nous sommes coupables, nous avons dévié quelque part, quelque chose ne va pas, même si nous n'arrivons pas à tout rassembler, mais nous sommes prêts à entrer dans ta présence. Aide-nous. Nous aspirons à ce que tes promesses de bénédiction puissent s'accomplir au milieu de nous, que tout mélange que tous les dieux étrangers, que toutes les doctrines étrangères, que tout ce qui ne peut pas et ne pourra pas subsister devant Dieu, que tout cela puisse être mis de côté. Et que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, puisse s'approcher de nous et se tourner vers nous. Nous disons, comme le déclarait alors le peuple de Dieu autrefois, nous voulons servir le Seigneur notre Dieu et nous le ferons de tout notre cœur de toute notre âme. Et lui qui est plein de compassion et qui est miséricordieux que cela soit notre désir sincère et qu'il voit le comme pour dire voir le désir le plus profond de notre âme, qu'il puisse le voir et s'approcher de nous, et faire en sorte que sa bénédiction et les promesses qui, après tout, contiennent sa bénédiction ne soient pas seulement écrites sur du papier, mais qu'elles se réalisent en acte au milieu de nous, dans notre vie et dans l'ensemble de l'Église du Dieu vivant. Devenons reconnaissants pour les paroles fidèles et véritables de notre Seigneur. Reconnaissons que ses voix avec son peuple sont justes. Souvenons-nous de ce qui est écrit, même dans le chemin de tes jugements. Seigneur, nous t'attendons. Nous nous attendons à toi. Isaïe 26, 8. Même quand Dieu entre en jugement avec nous, nous nous attendons à Lui. Nous persévérons en Lui. Nous sommes livrés à Lui. Dépendants de Lui. Nous ne pouvons pas aller sans Lui. Nous ne pouvons rien faire sans Lui. Nous ne pouvons pas atteindre le but de manière, de manière incertaine. Le Dieu Tout-Puissant qui nous a conduits jusqu'ici. Qui nous a accordé sa grâce et qui l'a conservée nous conduira et nous conservera jusqu'à la fin et il nous conduira au but loué soit son nom amen Dieu fidèle nous te remercions encore ensemble pour ta parole sainte et précieuse et puissante ta parole ne reviendra pas à vide à vide sans effet, elle accomplira, Seigneur, ce pourquoi tu l'as envoyé. Dieu fidèle, accorde-nous la grâce de nous présenter devant toi de manière juste, de t'offrir l'honneur et l'adoration de manière juste, Seigneur. Tu connais nos cœurs, tu connais notre intérieur, tu sais ce que nous pensons. Seigneur, nous voulons te servir. Nous ne le disons pas seulement en parole, Seigneur, mais notre désir est, Seigneur, de nous, que tu nous, que tu puisses nous accorder la grâce, Seigneur, de pouvoir t'aimer de la bonne manière, Seigneur. Seigneur, tu as dit dans le Nouveau Testament, celui qui a ma parole et qui la garde et qui la met en pratique, c'est celui-là qui m'aime. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Donne-nous la grâce de ne pas être de vains auditeurs, mais de te servir et en mettant ta parole en pratique, accorde-moi la grâce, accorde-nous la grâce à tous, sois proche de nous, Seigneur, alors que nous attendons ici devant ta, devant ta face, devant toi, Seigneur. Donne-nous tout, donne-nous tous à tous la grâce de t'aimer du plus profond de notre cœur, comme tu nous as aimés, Seigneur. Car tu nous as aimés le premier, tu as donné ta vie pour nous. Louange, action de grâce et adoration soit à ton nom, glorieux Seigneur. Nous ne pouvons rien nous procurer. Nous ne pouvons pas non plus nous approprier quoi que ce soit, Seigneur. Non, Seigneur, nous nous attendons à toi et nous savons que tu nous aideras au temps voulu, en temps voulu, en temps voulu, Seigneur, et que tu nous donneras ce dont nous avons besoin. Adoration, gloire à ton nom, glorieux. Amen.